Dans cette grande surface de Saint-Priest, le rayon pâte diminue à vue d'œil. La raison, le coronavirus. Par crainte de l'épidémie, certains clients n'hésitent pas à faire des réserves. On a peur que les camions ne viennent plus pour nous donner ce qu'il faut, quoi. On a peur que les magasins soient vides. On a peur de mourir de faim, des fois, on ne sait pas. Ah, je ne crois pas qu'on va mourir de faim, mais des fois... Pâte, huile ou encore eau, les produits de première nécessité sont de plus en plus prisés. On reconnaît que depuis lundi, on a dans certains marchés une accélération des ventes. Bon, après, on ne sait pas comment la situation va évoluer dans le temps. Donc après, tout dépendra si il y a une vraie épidémie. Si ça reste en l'état de ce que c'est aujourd'hui au niveau de l'épidémie, ça ne devrait pas tellement s'accélérer. Autre conséquence, les clients désertent les allées du supermarché au profit du drive. Ici, il a même doublé sa fréquentation. Un fort accroissement du nombre de commandes, donc autant en volume qu'en nombre. Donc pour information, par exemple, aujourd'hui, on est à midi, on a déjà fait ce qu'on a fait l'année dernière sur la journée complète, quoi, en fait. Pour faire face à la demande, le drive a dû prendre des intérimaires. Mais pour l'instant, pas de panique, les magasins sont loin de la rupture de stock.